Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère également que vous avez passé un beau mois de mars et que vous entamez le mois d'avril de la meilleure façon possible. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du taureau. Alors, bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Comme à l'habitude, hein, je vous suggère d'aller voir également les vidéos concernant vos signes ascendants et votre signe lunaire également, puisque les messages qui sont ici, donnés ici, sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans ce que vous êtes en train de vivre présentement. Vous êtes des milliers à écouter les vidéos, donc c'est normal. Alors, pour un complément d'information, allez voir les vidéos sur votre signe ascendant et votre signe lunaire également. Également, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour avoir un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de le faire pour vous. Alors, dès que vous m'en faites la demande, je vous envoie la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. N'oubliez pas également que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, tout ce que vous allez recevoir comme message ici, vous avez le pouvoir, le choix de décider ce que vous faites avec les messages. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Et la petite clé ici est simplement un rappel à ça pour vous, tout simplement. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers taureaux. Donc, je vais commencer avec le tirage pour les célibataires, donc la lecture des cartes pour les célibataires, et je suivrai ensuite pour ceux qui sont en couple. En fait, c'est le contraire, pardon. Je commence avec les couples et je poursuis avec les célibataires. Donc, même s'il y a quelques ressemblances, hein, il y a quelques subtilités auxquelles il faut porter attention. Donc, pour vous, mes chers taureaux qui êtes en couple, on commence avec la carte de la mort ici. Donc, l'arcane sans nom, donc, je vais vous la montrer de plus près, qui est en train de vous dire que elle est inversée, hein, elle s'est présentée inversée, alors ça vous montre que il y a quelque chose que vous devez transformer ici et que vous avez de la difficulté à faire les changements qui s'imposent pour éliminer de votre vie ce qui vous nuit. Hein. La carte de l'arcane sans nom, c'est vraiment une carte de transformation. Ce n'est pas nécessairement la mort physique de quelqu'un, et ça, il faut être très conscient de ça. Ça parle plutôt de transformation, de changement, d'évolution pour le mieux. Mais comme elle se présente ici à l'envers dans votre tirage, c'est que vous avez de la difficulté à apporter ces changements-là, à transformer votre vie. Et on est en train de parler du couple ici, d'accord? Donc, on a l'impression que il y a quelque chose qui ne va pas bien présentement. On continue avec la carte du valet d'épée. Alors, même si vous avez de la difficulté, hein, il faut pourtant que vous fassiez preuve de discernement. Cette carte-là, le valet d'épée, dans votre tirage actuellement, vous appelle à faire preuve de discernement. Alors, vous êtes conscient ou consciente que quelque chose ne va plus ou quelque chose n'a jamais bien été. Peu importe, hein, c'est vous qui savez quelle situation vous êtes en train de vivre et que vous vivez depuis un certain temps. Donc, vraiment, vous êtes appelé à changer quelque chose, à transformer quelque chose et à faire preuve de discernement pour votre plus grand bien à vous. D'accord? Parce qu'on le voit clairement, mais ici, la carte, la carte suivante, c'est la carte du 9 de coupe. Vous allez me dire qu'au contraire, on voit de la satisfaction. Hein. Cette carte-là nous parle de satisfaction, de bien-être, d'avoir travaillé très fort pour arriver où est-ce que vous en êtes et que vous êtes en train de profiter de la vie. Mais dans la position dans laquelle elle est placée dans ce tirage, c'est le contraire qui se passe. Effectivement, vous avez travaillé fort pour arriver où est-ce que vous en êtes, mais vous n'êtes pas en train de profiter
de votre travail, hein, ou par rapport à votre relation. Au contraire, vous êtes en train de vivre de l'insatisfaction. Vous n'avez pas tout ce que vous désirez, comme le 9 de coupe le suggère normalement. C'est la position dans laquelle cette carte-là est placée qui nous parle de ça. Ça nous parle du problème actuel dans votre relation. Donc, insatisfaction, incapacité de profiter des plaisirs de la vie, parce que, et on parle vraiment de plaisirs de la vie, regardez les coupes, hein, qui sont remplies. Normalement, ça devrait être de l'amour, de la joie, de la sérénité, d'être satisfait de son travail, du travail fait pour arriver où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre relation. Alors, la position nous dit que c'est le contraire, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Et par le passé, avec le 5 d'épée inversée aussi, par le passé, vous avez mené beaucoup de batailles, vous avez dû vous battre pour conserver cette relation, hein. Mais maintenant, c'est fini. La carte du 5 d'épée inversée nous dit que maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de bataille à faire, plus de bataille, plus de combat. Si la relation ne peut pas aller de soi, bien, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire de cette relation. Est-ce que vous allez continuer dans cette insatisfaction, peut-être essayer de régler les choses encore et encore, ou bien si vous allez décider de prendre la décision de changer, de transformer votre vie, comme la carte de la mort, l'arcane sans nom, vous le suggère, hein? Ici, la carte d'épée inversée nous parle, oui, de bataille que vous avez dû livrer par le passé, mais le fait qu'elle est inversée nous parle de rétablissement aussi. Alors, vous avez cette envie peut-être de vous rétablir de ce que vous êtes en train de vivre dans votre relation. Et pour ce faire, bien, vous allez devoir, et probablement que vous êtes déjà en train de le faire, parce qu'ici, dans la position, on est en train de parler du passé, du présent. Donc, vous êtes en train de vous intérioriser, vous êtes en train de réfléchir à votre situation amoureuse, à votre situation de couple, à savoir comment va votre vie de couple. Et vous avez la réponse ici avec la carte de la reine de deniers qui suit et qui vous dit que votre vie actuellement, elle est terne. D'accord? Donc, prenez le temps de réfléchir à votre situation et de savoir est-ce que c'est cette vie terne que vous voulez continuer d'avoir ou bien vous voulez transformer votre vie, vous voulez changer de direction. Donc ça, c'est à vous de le faire. Mais prenez vraiment le temps de méditer, de réfléchir, de vous intérioriser. Si on continue un peu plus loin, on a ici la carte du valet de deniers. D'accord? Valet de denier. Donc, la question à vous poser, est-ce que vous voulez conserver cette vie terne ou bien vous êtes prêt à vous faire une vie meilleure? Hein? Valet de denier, c'est ce que ça nous parle, c'est d'avoir le courage de se créer un bel environnement, de se créer une vie meilleure, hein, ici. Alors, effectivement, si vous décidez de faire ça, hein, d'avoir le courage de vous créer une vie meilleure, de sortir de cette relation-là qui n'est pas facile, qui ne vous rend pas satisfait ou satisfaite, hein, bien c'est certain que éventuellement vous allez avoir des moments de découragement, des moments de faiblesse aussi qui vont peut-être faire en sorte que vous allez retourner à cette vie qui ne vous satisfait pas, mais parce qu'elle s'est présentée inversée, hein, la carte de l'as d'épée. Donc, on voit que vous allez avoir probablement des moments de faiblesse, des moments d'instabilité aussi ou d'insécurité qui vont peut-être vous faire revenir vers cette vie-là, mais éventuellement, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous n'allez nulle part dans cette situation-là. D'accord? On continue un peu plus loin avec le roi de bâton. Le roi de bâton qui est également inversé.
Donc, vous avez sûrement des choses à reprocher à votre partenaire, hein, bien sûr, mais il faut penser que même si, regardez, vous avez l'as de coupe ici, hein, même si vous, aux yeux des autres ou aux yeux de l'autre personne, vous êtes une personne extraordinaire, hein, mais vous aussi, vous avez des choses à travailler, vous avez vos propres faiblesses ou défauts, hein. Et on parle ici du roi de bâton inversé. Alors, le roi de bâton inversé, ça nous montre ou ça nous suggère que peut-être que vous avez, dans la position qu'elle est placée, cette carte, c'est on parle de vous ici. Alors, peut-être que vous avez un côté impulsif, peut-être un côté impatient, peut-être on parle aussi peut-être d'entêtement et de susceptibilité. Alors, peut-être que même si ça ne fait pas de vous une mauvaise personne et que l'autre ou les autres potentiels ou les autres personnes vous voient comme une personne extraordinaire, vous devez travailler sur vous aussi. Alors, prenez le temps de le faire. Hein, quand vous êtes en train de vous intérioriser à réfléchir sur votre situation qui ne vous satisfait pas, prenez le temps de réfléchir également sur ce que vous avez à travailler sur vous-même pour que, éventuellement, si vous décidez de quitter, peu importe, hein, que vous décidez de quitter la relation ou de continuer, bien, vous avez des choses à travailler. Donc, soyez conscient ou consciente de ça. Peut-être que si vous décidez de rester dans cette relation-là, le fait de travailler sur vous et d'inviter peut-être l'autre à travailler aussi sur ses revers, hein, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous donne de l'insatisfaction, peut-être que vous allez réussir éventuellement à sauver la relation à nouveau. Mais il faut que les deux personnes soient volontaires et soient conscients de leurs propres travers et veulent bien y travailler. D'accord? Alors, vos espérances, vos craintes, hein, c'est que vous croyez que vous n'allez pas être capable de vous en sortir seul. Mais si vous décidez de quitter la relation, n'abandonnez pas. Vous allez arriver à voir la lumière au bout du tunnel éventuellement et vous allez diminuer vos difficultés, d'accord? Et vous espérez tellement, mais tellement pouvoir vous retrouver seul pour un temps en tout cas, pour pouvoir vous sentir bien, pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez et de la façon que vous le voulez. Hein. On a la carte du 9 de Denis qui nous parle de ça. Donc, vous avez une envie de vous retrouver seul et de vous créer un monde où vous allez vous sentir bien, où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sans rendre de compte à personne ici. D'accord? Donc, peut-être que si vous décidez de quitter et de transformer votre vie, de changer complètement ou d'éliminer tout simplement ce qui vous nuit, donc la personne, la relation, bien, allez de l'avant, hein, n'ayez pas peur, n'abandonnez pas et n'ayez pas peur de ne pas y arriver, vous allez y arriver. Mais si vous décidez que vous avez envie que ça fonctionne à nouveau, peut-être que vous allez décider tout simplement de faire une pause, hein. On a cette notion-là ici aussi, de faire une pause et d'aller vivre seul pour un certain temps, pour pouvoir savoir qui vous êtes, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous aimez dans la vie, c'est quoi vos envies, vos intérêts, vos goûts. D'aller vous découvrir, aller à la rencontre de vous-même aussi pour être en mesure de mieux revenir à la relation. Donc ça dépend de votre choix. C'est vous, hein, qui décidez ce que vous en faites. Mais quoi qu'il en soit, travaillez sur vos problèmes, hein, vos travers, vos faiblesses, vos défauts, parce qu'on continue ici avec le chevalier de bâton également. Donc, si vous réussissez à avoir un temps seul, à vivre seul, par exemple, bien, ne restez pas seul trop longtemps, hein, parce que vous allez risquer de vous ennuyer également, ici, avec le chevalier de bâton inversé, d'accord? Que vous reveniez à cette relation, à cette personne-là, ou que vous envisagiez de rencontrer quelqu'un d'autre de nouveau,
profitez du moment que vous avez seul pour vous découvrir, mais ne restez pas seul trop longtemps parce que vous allez vous ennuyer. Et prenez simplement le temps de vous guérir. On a la tempérance ici. Alors prenez le temps de vous guérir, de guérir vos blessures et de travailler sur vos revers, sur vos défauts également ici. J'ai tiré une carte aussi des anges de l'amour pour les célibataires. Alors, vous avez la carte passion. Très belle carte, hein? Carte passion qui vous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Alors, voilà. Si vous sentez que la relation présente ne vous convient pas, ne vous satisfait pas, soit que vous décidez de quitter la relation complètement pour vous prendre le temps pour vous, hein, pour faire de l'intériorisation et pour vivre seul, vivre ce que vous avez à vivre. Ou bien si vous décidez de prendre une pause afin de mieux revenir pour que ça fonctionne davantage, mais quoi qu'il en soit, faites les choses avec passion. Et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, si vous prenez un temps de repos, bien, faites des choses qui vous passionnent. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour la carte passion. Alors, ça vous dit, « Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées, et tout se met en place grâce à vous. » Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Voyez-vous, les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour également. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Alors peut-être que la pause que vous prendrez, et si jamais vous revenez vers ce partenaire, bien, vous allez l'inciter à partager votre enthousiasme. Ou si vous avez un nouveau partenaire qui s'en vient pour vous, suite à ça, bien, vous allez l'aider aussi à partager votre enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions. Et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire ou une merveilleuse partenaire aussi passionnée que vous. Alors voilà le message des anges de l'amour pour vous, mes chers taureaux qui êtes en couple. Alors maintenant, on a, je fais la lecture pour les taureaux qui sont célibataires. Alors, la même chose hein, pour vous les célibataires, c'est que vous avez de la difficulté en ce moment à lâcher prise sur une situation ou à faire les changements que vous devez faire. Hein. Mais dans le processus, vous êtes en train d'en apprendre beaucoup sur vous-même. D'accord? Donc, peut-être que vous êtes en train d'essayer de transformer quelque chose, mais que vous avez simplement de la difficulté à lâcher prise. Mais on voit que ce travail-là que vous êtes en train de faire actuellement vous apporte beaucoup parce que vous apprenez beaucoup sur vous et ça, c'est bénéfique. Le problème, c'est que vous trouvez que c'est long. Hein? Ici, c'est le 9 de coupe. Le 9 nous parle toujours de la notion du temps aussi. Donc, vous trouvez que c'est long pour vous avant de vous caser, avant de vivre votre bonheur avec quelqu'un. Malgré tout le travail que vous avez mis hein, à travers vos relations passées. Alors, vous trouvez que c'est long pour vous d'être satisfait, satisfaite, heureux, heureuse. De trouver le bonheur hein, avec tout le travail que vous avez mis. 5 d'épée inversée. Alors, on vous demande d'être patient parce que vous êtes en train de vous rétablir de votre relation passée.
qui n'a pas été facile, hein. Peut-être la relation n'a pas été facile ou tout simplement la rupture n'a pas été facile, mais vous êtes en train de vous remettre de ça. 4 d'épée, la même chose, on est en train de vous demander de vous intérioriser, hein? Alors vous êtes capable de le faire, de vous intérioriser, de prendre le temps de méditer, de réfléchir à comment faire en sorte que votre vie, pardon, ici j'avais la reine de denier inversée, hein? De faire en sorte que votre vie qui est terne en ce moment, que vous soyez capable de remettre de la beauté dans votre vie, hein? Alors, le valet de denier qui suit, bien, après avoir fait cette introspection, cette recherche de vous-même, hein, cette compréhension de ce qui vous arrive ou de ce qui vous est arrivé dans vos relations passées, bien, vous allez être plus solide face à votre vécu et vous allez prendre les choses avec plus de courage aussi. Mais c'est certain que vous aussi, en tant que célibataire, hein, même si vous avez travaillé dur sur vous, fort sur vous, bien, vous allez avoir des moments d'insécurité ou bien des moments de faiblesse, de découragement également, hein, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le 9 de coupe dans cette position-là, vous trouvez que c'est long avant d'avoir quelqu'un, avant de vous caser avec quelqu'un. Donc oui, vous allez probablement avoir des moments de découragement, mais vous allez prendre quand même les choses avec plus de courage. La même chose pour vous, hein, mes chers célibataires taureaux, 10 de bâton inversé. Alors, réfléchissez aussi quand vous allez réfléchir à comment vous en sortir de ce cercle vicieux, si je peux dire, mais réfléchissez aussi à votre impatience, à votre susceptibilité qui peut-être est la cause, entre autres, hein, je dis bien entre autres parce que je ne veux pas mettre tout le poids sur vos épaules à vous, hein, ça prend 2 personnes pour vivre une relation amoureuse. Alors, mais simplement de voir soi-même qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui a pu causer des ruptures. Alors, vous avez peut-être un côté susceptible, un côté impatient aussi. Alors, réfléchissez à ça, comment vous pouvez faire pour améliorer ces côtés-là chez vous. Parce que malgré tout, quand vous êtes avec quelqu'un, vos partenaires savent que vous êtes une personne extraordinaire, connaissent le bon fond que vous avez, hein, vous aiment sincèrement pour ce que vous êtes, d'accord? Alors, vous savez vous-même que vous êtes une personne extraordinaire, donc continuez de travailler sur vous, d'accord? Et vous en avez, vous voulez vraiment en finir avec vos difficultés amoureuses. Donc, si vous voulez vraiment en finir avec vos difficultés amoureuses, vous savez qu'il y a du travail à faire, il y a encore un pas à franchir et c'est de travailler sur vous. Et parfois, le fait que vous êtes un peu découragé, hein, ici avec l'as d'épée, bien, vous vous demandez parfois si c'est mieux pour vous de rester seul. Hein? Mais si vous ne faites rien, si vous restez seul, vous allez vous ennuyer éventuellement. La même chose avec le chevalier de bâton ici inversé. Alors, ce n'est pas dans la normalité de rester seul toute sa vie. Parfois, on en a besoin et c'est très bien ainsi aussi. La solitude nous fait du bien parfois. Mais vous risquez ici, dans votre tirage, en tout cas, on nous montre que vous risquez de vous ennuyer si vous restez seul trop longtemps, hein, ici avec le 9 de denier. Par contre, profitez de votre moment de solitude, le moment que vous êtes célibataire, pour travailler davantage sur vous, pour que la prochaine fois que quelqu'un se présente à vous, vous soyez prêt, que vous ayez travaillé sur vous et que vous allez pouvoir inclure cette personne-là dans votre monde ici, que vous allez avoir, vous être créé. D'accord? Alors, pour terminer, donc, ne restez pas seul trop longtemps pour ne pas vous ennuyer et mettez parfois dans la future relation
de l'eau dans votre vin. Essayez de vous modérer, de modérer votre tempérament impulsif ici. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux, c'était votre tirage pour ce mois d'avril. J'ai tiré également une carte pour vous, les célibataires, et c'est la carte « Attirer votre âme sœur » qui a été tirée. Et la carte vous dit « Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur ». Alors, priez pour être assez courageux, courageuse pour travailler davantage sur vous, afin de trouver votre âme sœur également, et faites des affirmations. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte. Donc, attirez votre âme sœur. Je suis tombée directement dessus. Alors, comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats ensemble, avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Oui, parce que les partenaires amoureux, même si éventuellement vous quittez une relation, la personne était là de passage pour vous apprendre quelque chose et pour apprendre elle-même quelque chose. Donc, retirez les leçons de ça tout simplement et continuez votre vie. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités, voyez-vous, que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble s'assemble. C'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Voyez-vous? Alors, très beau conseil, hein? On vous dit ici de commencer à travailler sur vous avant d'exiger quelque chose de quelqu'un. Travaillez sur les qualités que vous voulez rencontrer chez l'autre personne. Travaillez-les en vous d'abord. Alors, si vous prenez le temps de réfléchir à votre situation, à vos vies amoureuses passées, et que vous prenez le temps de vous créer votre beau petit monde, de vivre vos passions, de vivre vos intérêts, de vous connaître davantage et de travailler sur vos défauts, bien à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ressembler. Donc voilà, mes chers taureaux. Ça termine votre tirage pour le mois d'avril. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté des pistes de solutions ou du moins des pistes de réflexion. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo et même si le tirage ne vous concernait pas totalement, n'hésitez pas à la partager également parce que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ce message-là. Cliquez également sur la cloche de notification pour recevoir les notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre pour un tirage personnalisé si vous en sentez le besoin à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Alors mes chers taureaux, je vous souhaite un très beau mois d'avril, prenez soin de vous, soyez indulgents avec vous et créez-vous votre petit monde de bonheur. Je vous remercie également de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.